Tu sais ce qui se passe le 17 août à 11h30? Ils ont dit oui. T'as Nicolas Duvauchel qui vient faire le Boys Club. Oh my god. C'est trop bien. Oh mon dieu. Regardez Cédric, il est encore plus content que Mimi. C'est trop bien. Pour la box du mois d'août, j'avais dessiné des chaussettes qui étaient un peu un life goal dans ma vie. Et là, on a reçu... C'est la box. Il faut que tu les mettes, Élise. Ah, avec mes... Oui, bah oui. Écoute, pour tout ce qui est style germanique, j'aime bien. Ça va, vous êtes contente? Elle est trop belle, en fait. Elle est trop bien belle. N'hésitez pas à demander à Élise pour tout ce qui est confection de chaussettes et textiles. C'est vraiment un truc que je voulais faire, j'aime tellement les chaussettes. Là, faut vraiment que je me retienne de faire des articles sur les chaussettes, genre une fois par mois, tu vois. Mes chaussettes préférées. Moi, je suis plutôt Je trouve tout le temps des nouvelles marques qui font des trucs incroyables. Merci Marie. Merci Alice. Et merci à Léa aussi, parce que Léa m'a donné plein de conseils. Parce qu'elle a vu que je galérais avec les chaussettes, alors merci Léa. Mais avec plaisir, écoute. Voilà, ça donne ça. C'est trop bien. Alors, il y en a une en dessous, là. Tu la vois, là. Là, en dessous des pieds. Et il y en a derrière, aussi. Oh. Ah, c'est trop bien. Est-ce que je les mets dans les sandales, maintenant? Je sais pas. Quand j'ai la chef de rubrique mode beauté de mademoiselle. Est-ce que je me fais virer? Ah, mais non, c'est mignon. Non, mais imagine avec, je sais pas, une petite jupe, par exemple, pour la rentrée des classes. C'est trop mignon. Ah, je suis trop contente. C'est la meilleure saison! Louise, viens. T'es en train de te réjouir parce que l'automne arrive, qu'est-ce qui se passe? Mais bien sûr! Mais pourquoi? Mais parce que c'est la meilleure saison! Non, la demande meilleure à Océane. Saison, c'est... Océane? C'est laquelle la meilleure saison? Bah, c'est l'été, bien mais sûr. Comme l'été. Toutes les personnes saines d'esprit vous le diront. C'est quoi? C'est l'été! Tu sais, c'est un grand débat que j'ai aussi avec mes amis souvent, c'est est-ce que tu préférais vivre dans un pays chaud ou dans un pays froid? Un pays froid, all the way, bien sûr! Un pays chaud. En fait, vraiment, toutes les personnes normalement concernées. Ceci dit, avec le réchauffement climatique maintenant qui arrive, de moins en moins peut-être, parce que le pays chaud va devenir invivable. Oui, pays chaud, tsunami, tout ça, ça va être compliqué, voilà. Oui, en effet. Je préfère avoir froid et devoir me couvrir qu'avoir trop chaud et être en soutien-gorge d'être là. J'en peux plus de ma vie. Pourtant, la vie en soutien-gorge. Ah, c'est quand même la meilleure chose. Ouais, c'est ça. Mais ma poêle, t'as trop chaud, c'est chiant, il faut fermer les volets, il fait trop chaud, il fait trop chaud tout le temps. C'est un peu de brise. Ah non, mais moi je déteste l'automne, je déteste l'hiver, je déteste le printemps, j'aime que l'été. Donc. Ça y est, je m'entends plus avec cette personne. Oh non, elle m'a tellement manqué. Coucou le vlog, je suis avec Nicolas Duvauchel. Salut. C'est fou, Nicolas Duvauchel à la rédac. Il est venu faire un épisode spécial de The Boys Club qui est sorti ce mercredi, en même temps que le film Bonhomme, dans lequel il tient le premier rôle. Exactement. C'est alors, un très bon film. Merci pour l'invitation d'ailleurs. Merci d'être venu. C'était vachement cool. Donc, va écouter le Boys Club avec Nicolas. Ah. Non, désolé, on ne sait pas. Oui. Non, moi, ça pas va, notre colis. C'est quoi? C'est quoi? Je n'ai aucune idée. Non, l'air lourd, c'est léger. Non, c'est pour moi. Bonne journée, bon courage. Bonne journée. Je disais donc. File écouter le Boys Club de Nicolas Duvauchel qui est diplôme. Qui est dispo sur les applis de podcast ainsi que sur YouTube, mais surtout file au cinéma voir Bonhomme. Prends peut-être des Kleenex, moi j'ai beaucoup pleuré, mais peut-être que je suis une fragile. En tout cas, c'est un super film et merci beaucoup pour cet excellent merci épisode. À vous, et puis si vous avez perdu un colis rue du Faubourg Poissonnière, colis Amazon, il est là. Vous nous contactez, on connaît. La Ligue des Champions. Forcément, tu files, mais c'est au moment où je galère. Ah. Mais il y a des nœuds en haut. Mais les meufs, elles ont fait des nœuds, elles ont fait n'importe quoi. Chaque vendredi, j'étais triste. Oui! Bon, bah, à partir de là, on peut pas faire grand-chose. Ce qui ne m'aide pas, puisque je suis encore au soleil. Comment savoir qu'on est lundi et que c'est la fin du mois? Ou bien ça pourrait être n'importe quel jour de la semaine, me direz-vous. Mais que c'est la fin du mois, eh bien, c'est quand tu manges des pâtes, voilà. Mais pas n'importe quelle pâte, non. C'est les pâtes de la box mademoiselle du mois d'août, voilà. Ça me permet de manger des pâtes pas trop chères, du coup, pour la fin de mois, parce que j'ai plus de sous. Mais des pâtes un peu fancy, quand même, parce que j'ai un peu d'huile de truffe chez moi, du coup, j'en ai mis un peu, et ça me remonte le moral. Voilà, on va voir ce que les autres mangent. Est-ce qu'on mange toutes des pâtes? Je ne sais pas. Réponse dans quelques instants. Et ce qui est cool, c'est qu'on est plein. On est toutes presque là. Maintenant, on est plein dans la salle de rédac. C'est cool, il y a de l'ambiance. Et il y aura à nouveau plein d'ambiance aussi au repas. Donc voilà, j'ai hâte que tout le monde vienne manger. Voilà. Toi aussi, tu manges des pâtes? Je mange des pâtes. Tu te vois? Toi aussi, t'es fauché? Oui. Très bien. Je mange des pâtes au beurre de cacahuète. Ça n'a aucun sens, mais. Hé hey. Bien joué, ça. Bonne idée, dis donc. Voilà, truffe, beurre de cacahuète. N'hésitez pas à prendre toutes nos astuces pour manger des pâtes
un peu moins nul. Ouais, voilà. Il y a aussi Dorothée qui mange des pâtes. Il y a aussi Margot qui mange des pâtes. Bah oui. Voilà. On part vraiment sur beaucoup de pâtes. Tu manges des pâtes aussi, Margot ? Oui, je mange des pâtes. Voilà. Mais très moi, bien. C'est des pâtes chères. Allez, allez. T'as acheté des Giovanni Rana ? Non, non, trop pas. C'est des pâtes bio ou blé complet parce qu'il y a que ça que j'aime. En fait, j'aime pas les pâtes dans la vraie vie. Je suis une, ce genre de personne. Wesh. Très bien. Pas des pâtes au blé complet. J'en ramène d'autres. Mais c'est quoi ? Attends, c'est quoi ? T'as fait quoi ? T'as fait quoi ? J'ai fait des beignets d'aubergine. Le saviez-vous ? Deux aubergines, c'est beaucoup trop pour une personne, même pour un week-end. Donc j'ai ramené des beignets d'aubergine. Alors c'est très simple, vous allez voir ma recette de poulet frit avec Charlie. Vous faites pareil avec des rondelles d'aubergine et ce sera très très bon. Et végé, il y a de l'œuf, donc pas vegan. Mais vous pouvez faire sans œuf. Bref, c'est très bon. Et du coup, je les réchauffe pour tout le monde car j'en ai fait. Je sais pas, ça rentrait pas dans un tupperware. Vraiment, j'en ai mangé beaucoup déjà. Voilà, merci les légumes, pour votre joie les meilleurs légumes. Yes. Qui d'autre mange des pâtes ici ? Moi. Mange des pâtes ? Ouais. Yes, t'as aussi des légumes ? Ouais. Yes, allez. Toi, tu manges des choses bien. Des nouilles. Ah, des nouilles aussi ? Oui. Allez. Mais avec des tomates. Oui, avec des tomates. Car c'est important les légumes. Manu, tu manges quoi ? Je mange des framboises. C'est et bon en fait, framboises. Ouais, je mange des framboises parce qu'en fait, je ne mange plus de sucre ajouté. Donc tout ce qui me reste dans la vie, c'est les fruits. Voilà. Ça fait combien de temps que t'as pas mangé de sucre ? Alors j'ai fait 2 semaines. Après j'ai coupé parce que j'avais l'anniversaire d'une copine. On a bu du champagne. Il y a du sucre dans l'alcool. Quoi ? Oui. Et en plus c'était un week-end donc je pouvais pas contrôler ce qu'on mangeait et tout. C'était horrible. Il y avait des pizzas préparées avec plein de sucre dans la sauce tomate. Je le sentais. Et là j'ai repris depuis 2 semaines. Je me suis autorisée une petite incartade le jour de mon anniversaire où j'ai mangé des pancakes au moringa, délicieux. Voilà. Le moringa, c'est, il me semble, c'est une plante africaine. Tu peux utiliser l'huile de moringa pour tes cheveux. Ça fait des merveilles. Des astuce Manu. Donc voilà, je mange maintenant des framboises. Substitut de sucre. C'est ça, des framboises, des kiwis, des pommes, des fruits, voilà, des agrumes. Tout ce que je déteste, nickel. En fait. Je t'ai pas raconté, je t'ai pas présenté. On a une nouvelle rédactrice mode à la rédac. Regarde, c'est Caroline. Celle qui mange des pâtes des fois quand elle a pas d'argent comme moi. Bien qui je suis, c'est la question qui me garde éveillée la nuit. Sinon, je suis Caroline, je suis de type homo sapiens. Et je suis ici, chez Mademoiselle, pour écrire des articles sur la mode. Et pas que, tu vas écrire sur d'autres trucs aussi. Oui, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui t'intéressent en plus que de la mode? Y a trop de trucs. On va dire si tu devais donner 3 autres passions, tu vois, pour que les gens apprennent à te connaître un peu. La musique. Ouais. T'as un groupe ref ou pas ? 21 Pilots. J'en parle dans les favoris. Yes. Puis dans la société en général, tout ce qui touche la société, et puis même tout ce qui relie la société à la mode. C'est très important, c'est très passionnant. Et le costume, en fait, ça rejoint la mode, mais voilà, costume de film et tout. C'est ma passion. On peut te retrouver dès aujourd'hui sur le site, voilà. Bien sûr. Bienvenue. Caroline.a, c'est voilà, mes articles sont voilà. Signés Caroline.a parce que c'est extrêmement original. Bonjour, c'est pour un coup de gueule. Alors apparemment, le monde entier a découvert qu'on mangeait trop de viande et comme on va en manquer, des gens ont eu une idée pour qu'on continue à pouvoir ingérer des protéines. Manger des insectes, puisqu'évidemment, aucun végétaux ne contient des protéines, comme chacun sait. Tu t'es un truc à dire, tu nous le dis en face. Parler dans le dos des gens. Je vous laisse donc avec ces personnes peu éthiques. Ouais. Hi everyone, how are you doing today? I'm with Esther. Hello. And Manu. Bonjour, je ne participe pas à cette polémique, j'assume totalement mes choix. On va manger des insectes. Wow. Manger des insectes, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils disent ? Plus de 2 milliards de personnes en consomment déjà. Les insectes sont riches en protéines, ils contiennent l'ensemble des acides aminés essentiels. Il y a 2 fois plus de fer dans le grillon que dans les épinards. 80% mais il n'y a pas de fer dans les épinards, ça c'est connu. Eh ben écoute, ça veut dire qu'il n'y en a pas, on parle déjà pas sur autant mauvais que délire. Ce que les gens croient, en fait. Croivent. Les gens vous croivaient. J'ai fait un article sur l'entomophagie où je donne la parole à une jeune femme du nom de Sophie qui a essayé de manger des insectes et d'en inclure dans son alimentation au quotidien. Pour la petite anecdote, il n'y a pas que des insectes à manger dans des petites boîtes comme ça. On peut aussi les réduire en poudre et en faire de la farine et en faire des gâteaux. Et donc on a reçu de jiminis.fr des petites... Un assortiment, merci. Un petit assortiment panaché de quelques insectes qu'ils ont avec des recettes différentes. Par exemple,
Ils m'ont même mis un petit mot pour me souhaiter une bonne dégustation. Et donc du coup, il y a plusieurs recettes. Donc par exemple, ici, nous avons des criquets à la grecque. Super. Peut-être... Tu crois que c'est des criquets au kebab? Là, nous avons un molitor, je sais même pas ce que c'est. Je crois que c'est aussi... Non, c'est des verres. Ce sont des verres au sésame et au cumin. Personnellement, j'adore l'huile de sésame. Et enfin, des grillons aux oignons. Voilà. Dégueulasse. Et nous avons également... Du coup, je vous parlais de la farine granola. Tout à l'heure, et maintenant, en fait, en gros, ils ont fait avec de la farine d'insectes. Des granolas. Donc moi, je veux bien goûter ça. Et je vous laisse goûter les insectes. Du granola et pas des granolas. Car granola. Les granolas sont les biscuits. Ça, c'est du granola, des céréales. On commence pour le granola. Allez. Première mission, réussir à ouvrir le paquet. Ah voilà, j'ai réussi. Au moins on est sûr que c'est hermétique. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce que ça sent? La framboise. Ça sent le raisin, je trouve. Sucre de coco, graines de chia, poudre de vert buffalo, graines de tournesol décortiquées, quinoa soufflé, cranberry séché, etc. En gros, c'est fait avec de la poudre d'insecte. Et en fait, du coup, je ne vais pas pouvoir goûter car il y a du sucre dedans. Damn! Bon, Esther. Même si c'est du sucre de coco. 2. Écoute, ma foi, ça a tout à fait le goût de granola, quoi. C'est bon. Moi, je valide. En fait, faut pas trop réfléchir. On est sur des trucs, si on ne dit pas que c'est des insectes, tu sais pas. Hein. Ouais, vraiment. Ça a le même goût que le granola. Mais j'avoue que ça ne conduira pas à remplacer quoi que ce soit dans mon régime. Passons maintenant aux choses sérieuses. Moi, je goûte pas ça, hein. Moi je mange le granola mais je goûte pas les insectes. Hein. Oignon fumé barbecue, tu sais, t'as presque envie de faire l'apéro avec. Et Clem, est-ce que les insectes c'est vegan? Bah non, ça enregistrait pas. Ça enregistrait pas rien depuis de tout ce qu'on m'a fait. Pas. Hello darkness, my old friend. Ça va? Je mange un baby bop. Big baby bop. Quoi? Bop, bop. Parce qu'il y a la grosse teuf. Vendredi prochain, tu vois la grosse teuf. Alors il y aura ça notamment. Ainsi que la musique, tu l'entends la musique? J'ai fait un sondage, les gens ont dit que je pouvais baisser Jaja. Je suis refaite. Et tu sais ce que ça veut dire quand on danse comme ça? C'est la fin du vlog. Et la fin du vlog, ça veut dire quoi? Ça veut dire rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau vlog encore. Et pour la grosse œuf, hein. Viens la grosse œuf, prends ta place, c'est dans la description comme tu sais. C'est quoi le thème? Ah bah c'est rentrée des classes. De type régressif. Moi je vais porter un caleçon, comme on appelait ça avant. Car les leggings, bon voilà. Bisous, à vendredi, à la grosse teuf. Sur le vlog, c'est sur Mademoiselle. Et, parce que sur le vlog ça ne veut rien dire. Et puis bien sûr, le dimanche sur YouTube. Vous dansez si chill. J'ai trop hâte de la passer à la grosse teuf. Vous danserez comme ça. C'est pas comme ça qu'on fait les choses.